RTCI nous réunit. Toutes ces études et ces sondages peuvent faciliter la compréhension et essentiellement voir quels sont les problèmes qui peuvent être posés par une catégorie assez importante. Comme vous le savez, les analphabètes représentent 20% du corps électoral. C'est 1 700 000 de Tunisiens et c'est une catégorie assez importante. Et on ne peut parler d'inclusivité que si on permet réellement à ces citoyens de voter dans les bonnes conditions. On va appliquer la théorie du soldat de Napoléon, c'est-à-dire faciliter le maximum. Il y a la valise électorale qui est dédiée à cette catégorie. Il y a des affiches, des pliants qui vont être donc dédiés à cette catégorie.